Voilà. Donc voilà, c'est un gyropode que bah, Smart Dig que j'ai eu hier. Donc j'ai oublié de vous le déballer. Ah, donc il est juste là. Voilà, oui. Hop. Donc je l'ai eu hier. Voilà pourquoi je vous dis que j'ai le déballage en retard. Salut à tous ceux qui viennent sur YouTube, sur ma chaîne. Bienvenue à tout le monde. Et voilà. Donc voilà. Hop. Alors là, on peut voir les motifs qui ont grave bien changé. Donc, par rapport au modèle sur YouTube qui est présenté, moi, je les présente deux modes différents. Parce que moi, c'est un smart. Voilà. Donc, j'ai déjà testé, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Sauf que j'avais oublié de vous faire ce déballage. Donc, pour me rattraper aujourd'hui, je vous propose justement ce déballage. Alors, le petit carton, je suis désolé dans l'état qu'il est. J'ai eu comme ça. Mais vous inquiétez pas, l'overboard, il va très bien. Alors, ça pour l'ouverture, c'est casse-couille en plus. J'ai le téléphone dans les mains, je peux pas me servir de mes deux mains. Alors, on va essayer le... Voilà, super. Voilà, on va. Putain, c'est complexe pour l'ouvrir. Aïe! Alors attendez, juste on va fermer la porte. Alors, ouvrons ce petit gyropode. C'est parti. Alors, comme d'habitude. Alors, oui, donc j'ai oublié de mettre les manuels, c'est pas grave. Voilà. Nous avons une boîte là. Donc, comme tous les gyropodes, je pense que vous devez savoir ce qu'est une petite boîte. Alors, on va l'ouvrir après. Et c'est pas grave si j'explose, c'est pas trop. Voilà, voilà. Le voilà. Ouais, donc, c'est magnifique. Hein, donc, alors, attendez, je vais mettre. Vous voyez, il a déjà. Alors, je suis désolé, hein, il fait vraiment, vraiment mauvais temps aujourd'hui. Donc, première fois que je tourne mon tournage et qu'il pleut comme ça, c'est. Voilà. Alors, est-ce que je peux le mettre comme ça? Donc, alors attendez, je reviens, j'en ai pas pour longtemps. En attendant, je vais vous laisser observer la pluie. Ben écoutez, vais vous mettre là. Non, je vais vous mettre la bouteille. Voilà. Ne bougez pas. Jaune. Bienvenue à tous ceux qui viennent sur la chaîne. Salut à tous ceux qui viennent. Bienvenue à tous ceux qui viennent sur la vidéo. Alors, voilà. J'ai sorti le gyropode, il est là. Alors, je vais vous mettre là. Voilà. Donc là, vous me voyez. Et le gyropode est ici. Alors, j'ai déjà testé. Ça va faire maintenant un jour, 2 jours que je l'ai. Non, vous voyez, hier, je l'ai eu hier. Et franchement, je ne me plains pas parce qu'il fonctionne super bien. Alors, hop, hein, le. Papier, on en fout, on en a rien à foutre. Alors, comme vous pouvez voir, les roues sont déjà sales, donc ça veut déjà dire que je l'ai déjà utilisé. Voilà. Donc, j'arrive à vous prendre. Voilà. Donc, pour ce magnifique gyropode, donc, dans sa couleur noire,
Très magnifique. Je ne voyais pas de bleu. Voilà. Donc vous voyez qu'on, contrairement à cela que j'avais eu là pour mon anniversaire en avance, ici, tout est nickel. Bon, je vous rassure, c'est pas une fissure, hein, c'est un problème de mon kleps. Partout sur l'over. Oui, regardez. Là, j'ai eu quelques petites frayeurs, vous pouvez voir. Mais il fonctionne nickel. Alors, c'est parti, on va l'allumer. Attention, qu'est-ce que ça fait? Ah, celui-là, il est différent. Voilà. Hop. Attendez, j'ai désactivé le flash. Voilà. Et je mets le deuxième. Activer le flash. Voilà. Et voilà. Donc, alors, je ne sais absolument pas pourquoi. Désolé. Le gyropode est direct. Je sais pas. Depuis tout à l'heure, le gyropode est mis en mode freestyle. Regardez. Il est en mode freestyle. Il a envie de faire une petite danse. Attendez, pour mieux vous montrer. Qu'il est en mode freestyle. Je vais vous installer ici. Voilà. Je vais me reculer. Et regardez. C'est de la façon dont j'allais. Vous avez vu? Mode freestyle. Ça fait très peur. Hein. Parce que déjà, quand vous regardez. Quand vous avancez, vous allez très vite. Comparé au mode normal. Hop. Donc. Je vous reprends. Salut à tous ceux qui viennent sur la chaîne. Donc, j'ai un petit offre 3. Normal. Très vite. Si tu veux. Regardez. On est à peine parti, quoi. Hyper vite. Alors, hop, si on pourrait sortir de la chambre, ce serait génial. Voilà, donc ça fait super longtemps que j'ai pas eu de nouvelle borne. Ça fait très bizarre de conduire. Ça doit vous faire très peur de me voir là. Dessus. Putain, ça bug, c'est un peu normal. Excusez-moi. Donc, si ça bug, c'est parce qu'il y a de l'orage qui arrive. Voilà. Mais je vois pas de moi, je suis pas le dehors, il me protège. C'est pas une raison. Alors, on va éteindre. Vous pouvez voir les lumières bien réfléchissantes. Alors. On va ouvrir cette petite boîte. Alors, attendez. C'est fait avec du lithium, donc faut faire attention. Alors les amis, si je vous mets dans la boîte blanche, c'est parce que le chargeur il est noir. Donc voilà. Donc moi je l'ai mis dans le 2. Alors attendez. Voilà. Alors moi je l'ai mis dans le 2. Donc les deux parties, je les ai mis dans une seule. Donc c'est parti, on va l'ouvrir de toute façon, parce que c'est le but de la vidéo. Et bien sûr, bienvenue à tous ceux qui arrivent sur la chaîne. J'espère que ça va, parce que moi ça va être nickel. Donc la première partie du chargeur, donc on va brancher donc du câble de ça à la prise. Et là, on a du port de la prise directement à l'overboard. Donc, vous allez venir avec moi. Allez, abonnez. On va juste se manier avant que ça commence à péter fort. Parce que l'overboard est très rechargé. Attendez, est-ce que vous êtes bien placé? Oui, c'est bon. Alors,
Je reviens, je vais chercher notre beau. Excusez-moi. Donc on va pas se manier. Salut à tous ceux qui viennent. Alors, c'est parti. Branchage. Du chargeur du gyropode. Voilà, ça fait ça. Attendez. Ok. Hop. Donc là, comme vous pouvez voir, il est vert. Alors attendez, je vous mets comme ça pour que vous voyez. Et il est vert. Et maintenant du rouge. Voilà. Ah, est-ce que vous voyez bien? C'est ça que je cherche. Non, vous voyez. Voilà. Il est rouge. Donc il était vert, il est passé rouge. Et voilà. Donc là, le chargeur est rouge. Et là, derrière, vous avez l'overboard. Une fois que le voyant ici passera au vert, il faudra tout de suite le débrancher. Hein. Avant que tout se fasse quick. Alors, le temps que ce gyropode. Pardon. Le temps que le gyropode recharge. De toute façon, il n'a pas tellement énormément. Puisque bah, j'ai rechargé là. 5-10 minutes. Voilà. Vous allez voir, le voyant il va vite changer. Donc, si vous voulez, on va rester jusqu'à temps que ça devienne vert. Ok ? De toute façon, je pense que c'est ce que vous voulez savoir. Allez, c'est parti. Donc, je mets le boîtier ici. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre à ce que ça devienne rose, vert. Attendez, je vais mettre le flash. Voilà. Hop. Eh oui, c'est une petite LED très sympathique. Donc à partir du moment où c'est vert, il va falloir débrancher le gyropode. C'est très complexe. Putain, il est chiant ce truc. Voilà. Normalement, ça deviendra vert. Donc, il ne manque plus qu'à attendre. Alors en attendant, avant que ça devienne vert, moche, donc j'espère que vous loupez cette étape, sinon ça se passe. Donc voilà. Vous allez voir, la petite LED ici va devenir verte. Vous allez voir comment elle va changer, ça va être très rapide. Voilà, donc moi, mon chargeur de mon gyropode est comme ceci. Ne vous inquiétez pas, on voit toujours la LED. Donc voilà, hop, comme si c'était un petit bouton pour mettre on, off. Et là, c'est pareil, sauf que là. Excusez-moi, je crois que je viens de voir un flash blanc. Ok, non, c'est bon. C'était un petit flash, rien du tout. On va attendre. Et montrer qu'est-ce que ça soit vert. Vous allez voir. Ça va être très, très, très joli. Je vais vous mettre là.
Bon. Je vais vous mettre comme ça. Donc, on a le chargeur, le gyropode est là. Donc, moi, voilà. Donc là, vous voyez couleur orange. Là, pour moi, il est rouge. Enfin, pour vous, il est jaune. Moi, il est rouge. Rouge-orange, je dirais. Parce que, comme vous pouvez voir, on le voit orange. Alors. Oui, ça veut dire que le gyropode est bientôt rechargé. Voilà, donc moi, de l'extérieur du téléphone, je peux très bien voir comment ça se passe. Ah oui, alors il me reste la batterie. Si ça pouvait aller rapidement, ça serait super. C'est pas très facile. 15h12, il pleut à mort. Oh putain, c'est pas facile la vie. Le gyropode, je vais pas utiliser très longtemps. Là, juste utiliser une de la boîte. Et voilà, je vous ai présenté la boîte. Donc, ce qui était plus important, c'était de découvrir l'overboard plutôt. Vous allez voir, ça va devenir vert. Une fois que ça sera vert, bah, vous pourrez l'utiliser au moins 6 ou 7 heures. Contrairement à la boîte, le temps de recharge est de 3 à 4. Ce qui est vraiment vrai, mais il dit 4 mégas par heure, donc ça veut dire 4 heures. Et ben c'est faux parce que je vais dire que chez Smart D, le board dure environ 6 à 7 heures de 0 minute à 7 heures. Ça marche, vous imaginez, ça fait une très longue durée. Tout ça, vous rendez compte en fait que il y a plusieurs étapes avant de revenir à la prise déchargée, donc c'est-à-dire ici. Donc là, voilà, il commence à devenir jaune pour vous. Pour moi, il devient orange. Voilà, donc là, il est orange et pour vous, il est jaune. Ça veut dire que le voyant va bientôt passer au vert. Voilà, donc, vous, il est orange. Moi aussi. Vous, il est jaune et moi, il est orange. Moi, la couleur sur les téléphones, c'est différent. Là, il est jaune, enfin orange jaune, voilà. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va se faire quand ça va passer directement au vert. Tout simplement magnifique. Moi, je kiffe regarder ces trucs-là parce que c'est hyper déstressant. Je ne sais pas vous. Vous, ça vous... Dites-moi dans les commentaires si ça vous stresse. D'ailleurs, il faut que j'arrête de parler parce que c'est n'importe quoi. Bon, allez, je me tais le temps que ça devienne vert. N'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo pour pouvoir voir quand c'est vert. Et si vous voulez voir comment ça se passe, vous regardez comme ça. Et vous avancez pas. Malheureusement, je n'ai jamais personne quand je mets live. C'est bizarre. Parce que d'habitude, j'ai toujours des personnes. Et là, pour une fois que je change de catégorie pour l'overboard, et ben pouf, il n'y a personne. Donc, voilà. Bon. Merci des dépassements. Ce que je vous propose par
Et donc là, et alors, recharge à fond. Petite présentation, n'hésitez pas à me dire des commentaires, même s'il fait moche. Je suis désolée. J'aurais voulu filmer à ce qu'il fasse vraiment super beau. Et hélas, il fait hyper moche. Il pleut à mort. Donc, c'est vraiment chiant. Donc oui, tout le monde sait où j'habite maintenant. Hein, donc je pense que tout le monde doit savoir. Parce que j'en avais marre de me cacher sur YouTube. Et évidemment, je me trouve bien ici. Il faut retrouver. Moi, je ne dis plus rien. À vous de chercher. Donc, je vous donne un indice. Je suis à côté d'une école. Voilà. Alors, je vais avancer pour que vous puissiez voir. Voilà. Je suis à côté d'une école. Pas d'un bâtiment, mais d'une école. Alors là, comme il y a des feuilles, vous n'allez pas bien voir. Oh. Juste là, là, où il y a pile mon doigt. Si vous regardez bien, il y a une école. C'est juste là. Alors là, on a le parking. Et là, on est dans ma chambre. Voilà. Donc, je vous donne un aperçu de ma chambre si vous voulez me trouver. Le vélo qui est juste là. Donc, le vélo qui est bien ici, bien utile. Quand il pleut. Et on a le gyropod. Alors là, je vais pas l'allumer maintenant parce que j'attends mon parrain. Mais je vous rassure, je ne vais pas monter dessus. Même quand il est éteint, j'ai une sécurité. Voilà, ça veut dire que je ne peux pas bouger. Vous voyez, si je mets à l'avant ou à l'arrière, il n'avance pas. Contrairement à l'ancien, si vous tenez bien, quand il téléchargeait, et bien il bougeait quand même. Donc là, c'est une révolution de chez Smart D. Smart D. Qui est juste là. Donc le carton, voilà. Moi, je trouve que leur catégorie de leur overboard est super magnifique. Franchement, je kiffe. Bon bah voilà, j'ai pris en noir comme vous avez pu le voir. Mais voilà, moi je me plais avec ce petit overboard et c'est vraiment celui qui a fait changer ma vie. Maintenant, bah j'espère que ça vous aura plu quand même. Hein. Et désolé pour le temps. Et si jamais ça vous a plu, alors attendez, j'ai juste allumé la lumière. Parce que c'est stressant. Si jamais ça vous a plu. Vous voulez un épisode d'overboard, donc style, comment, si jamais comme ça, et que vous voulez qu'il soit comme ça, je pourrais vous aider. Ou si jamais, et ben voilà, il est comme ça. Donc pour là, ça faire ça, voilà. Donc la petite astuce à savoir. J'espère que vous allez me demander d'autres épisodes de l'overboard, parce que j'attends que ça. Je l'ai eu, je vous ai promis. Que bah, si jamais j'avais un, on allait faire des saisons. Et justement, c'est avec celui-là qu'on va faire tout. Donc, il est neuf. Il y a une garantie dessus. Donc, si jamais il casse ou il y a un problème, j'ai qu'à aller le changer. C'est mon constructeur qui me le dit. Donc, si jamais j'ai un problème avec la batterie ou l'overboard en lui-même, je vais voir le constructeur. Donc, c'est-à-dire Carrefour. Voilà. Les amis, je vais vous laisser sur ce temps moche. J'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.